Donc je vous présente la place du Triangle de l'Amitié, lieu où on a rendez-vous donc dans 3 semaines pour le départ de l'UTMB. Donc reco et c'est parti, allez. Attention au départ, hein. En général on a tendance à se laisser un petit peu embarquer. Faut garder à l'esprit qu'il y a 166 km hein, avec plus de 9000 mètres de dénivelé. Donc faut se mettre les œillères et puis surveiller son cardio pour pas se mettre dans le rouge. On vient de quitter la partie, je dirais du chemin, la première partie du chemin. On est sur un petit bout de route, de petits kilomètres, avant d'attaquer l'ascension à la Charme. Entre temps, on va passer au premier vito, aux Ouches, donc 8e kilomètre. On arrive à Saint-Gervais, nouveau point de passage, hein, nouveau point de ravitaillement. Donc là, faut gérer la descente, elle est raide, donc faut rester tranquille. Et puis, on continue. Hein. Si vous vous lâchez un petit peu de trop, vous risquez d'avoir les grosses cuisses au 20e kilomètre, et ça complique un petit peu les 146 km restants. Donc là, on quitte Notre-Dame de la Gorge, hein, début d'ascension assez raide. Il faut laisser, le temps à l'organisme de s'habituer. On est en moyenne montagne, on va passer en haute montagne par la suite, en arrivant au col et à la Croix du Bonhomme. Donc, pas s'enflammer. On peut se retrouver dans des conditions de brouillard. Donc, restez concentré sur le sentier et puis sur le balisage pour pas faire de petites erreurs qui vous emmènent à faire des kilomètres en plus. Nous avons déjà fait 33 km. Après la Balme, début du single. This is too easy. Yeah, for the Englishman. Too easy for the Englishman. Yeah. Where's the mud and the rain? It's too nice, the weather. On est en bonne voie. Le col et la Croix du Bonhomme sont à la sortie du brouillard. Allez, je m'en récupère juste après. Allez, on va sortir. Voilà. Four or five degrees. Very good. Good condition for Englishmen. For Englishmen? Yeah, no problem. No problem, it's the sun in London. Et voilà notre petit refuge du bonhomme. Donc voilà, première petite partie de la reco. Hein, on arrive au Chapieux, 50e, 49 km.
On a déjà fait un petit peu de dénivelé, donc on vient de passer le col et la croix du bonhomme dans des plus ou moins bonnes conditions, mais ça fait partie du jeu. Et puis pour la suite, on va repartir des Chapieux en direction du village des glaciers pour attaquer le col de la Seigne. Donc pour aujourd'hui c'est terminé, et puis à demain. Allez, et à un prochain numéro pour Get Ready Fort.